et les masques. Et également les bottes qu'on achète pour nos volontaires, parce que c'est ceux qui doivent s'occuper les traitements de certains endroits, des infections des latrines, parce qu'il y a aussi des latrines mobiles. Alors, donc, ces traitements, et ces volontaires en train de faire ce travail, parallèlement à la distribution. Et également, aussi, nous avons aussi acheté des moustiquaires pour des familles, parce que vous n'êtes pas sans savoir que certaines familles qui ont été complètement désapprouvées de tout. Donc, conformément les orientations, conformément les lignes budgétaires, nous sommes en train de travailler avec les communautés tout en informant les autorités. Donc, les activités vont continuer durant les 3 mois en collaboration aussi avec le siège, parce que c'est le siège qui a déjà bénéficié de l'appui financier qui a été accordé par le gouvernement américain. Et l'aide américaine est à la hauteur de 100 000 dollars accordée à la Croix-Rouge, mais à partir de notre siège qui est à Genève. Donc les fonds ont passé par notre siège pour accompagner les mouvements dans sa globalité.